Dernière nouvelle, eh bien, FBI et la police joignent qui côté base 400 Marozo serré 17 Américains yo kidnappé. Et actuellement là, gen gros décision qu'a prend dans pays États-Unis pour qu'on ait comment yo pral libérer moun sa yo. Nouveau ministre justice là, Liz Kittel, déclaré, ça fait l'an mot sans jou pensé le pral joindre l'argent, li mettre retirer ça dans tête li. Soyons sérieux. Là nous bay bandi yo cob. Eh bien, yo utilise cob ça souvent pour yo acheter pile zam ak pile katouche pour yo bay plis problème. Bon, qui est-ce qui te kon bay bandi yo cob? Non mais qui est-ce yo acheter zam tout? M'pral l'expliquer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police nan États-Unis frappe fort. Bagay la red, oui, yo démantelé yo gros groupe gang qui chargé ak haïtien nan West Palm Beach nan Florida ou pral wè figyo. Pa gen yen di yo pa geti ménage pa bon ici. Après sa manifeste au fin fait devant Digicel, Martin Boot pa karet nan silence li encore pour le faire comprendre. Li pa triple frais service nan mon cachio, mais li juste augmente le c'est parce que li vle garanti aveni mon cash. Gen koze pou tande oui, comme si proverbe créole l'a dit, c'est torti qui montre comment pou yo kochel. C'est sous parole ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité ou rale chez ou chita, fou konsami info pa ou rentre la kay ou c'est un plaisir. M'pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamite sans retirer, sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous êtes tombé sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pa ou, Foucault. Matin là, nous t'ai gagné chance présenter un petit compte et compte ça qui c'était Glow Red. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté et repose lancé glace. Un petit cri crack pour nouveau compte que nous gagné. Qui ça qui tombé sans moun pas sentil, sans le pas faire tout. Qui ça qui tombé sans moun pas sentil, sans le pas faire tout. Pas hésiter quitter élément de réponse pas là dans commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Jean Kente annoncé, eh bien, FBI ak la police joignent qui côté monsieur Baz 400 Marozo yo cérémonie. Bagay yo miel, l'homme sans jou kidnappé 16 Américains ak yon Canadien fait en tout 17 moun. Gen yon ti bébé 8 mois. Gen divers adolescents qui gen 14 à 15 l'année parmi groupe moun sa yo. Mini justice la déclaré négociation sa capable prend plusieurs semaines, comprendre bien. N'a essayé faire libérer yo sans payer rançon. C'est quoi l'histoire ministre de la justice? N'a essayé faire libérer yo sans rançon. C'est quoi l'histoire? Moi qu'on comprenne là. Donc, c'est premier plan action. Nous devons honnête, les nous bay bandi yo l'argent. Eh bien, l'argent ça pral bay yo possibilité pour acheter plus armes ak munitions. Donc, nan moment là, yo ap chèche résultat similaire. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, missionnaire yo nan yon maison qui sûre, nan ande yo kwa des bouquets qui protégé. Mais ta le ministre de la justice, hein? Missionnaire nan yon kay ki an dehors kwa des bouquets ki protéger. Qui est-ce qui protéger kay la là? La police s'il vous parce que moi c'est la police qui là pour protéger ak servi. A la traka pou la vie kay te papa. Hein? Hein? Qui est-ce qui protéger yon frères et sœurs? Yon nou maison qui protéger. Est-ce que la police ka protéger maison ça? Parce que moi c'est la police qui là pour protéger ak servi. Ah bon, koun ya la gang yon la gen nan protéger ak servi. Mais tente. Donc, dans l'intervention mini justice là, il y a 5 mots, comprenez bien, qui attirent l'esprit divers moun. Maison protégée,
négociation, plusieurs semaines. Gardez nous dans mon 100 jours, pas qu'à faire arriver un mois, trois mois plutôt. Pesez pour pis devant, pesez pour pis devant. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, à partir de ça qui passait dans le pays d'Haïti là, m'pas caché d'où, dossier kidnapping ça, récit arrivé dans tympan Joe Biden. Il récit arrivé en dans quels États-Unis? Parce que, dernièrement, n'a pas rappelé nous, président Jovenel Moïse t'a signé un protocole d'accord ensemble avec les États-Unis sous dossier ZAM qui a entré dans le pays. Comment t'es qu'à comprendre? Pour un pays qui embargo ZAM sous lui, et puis ZAM fait kiki comme ça? Non, posez tête ou question. Et, comme si nous voulons, les États-Unis ont fait comme s'ils pas tant de causer comme ça. À chaque fois, y'a qu'un bé au monde, comprenez bien, oui? Y'a qu'un bé au monde dans le pays d'Haïti, ak yo kage son zam nan mel la pa antre nan peyi a nan douane. Le yo kembe moun sa, quand même, ap gen rapport ki dresse, yo voye lòt bwa pou di kembe ti kompe sa pou mwen parce que me sa l fè nan peyi d'Haïti, ou pa janm tan de gon intervention ki fè. Ou pa janm tan de gon poursuivi ki fè parce que dossier vann zam nan peyi Etazini m pa kache dou, sa fè l fè pil lajan et pa panso pral et fon jan gade nou pou ap stopel pou l pa fè lajan. Parce que let's see, monsieur, yo. Nan pays d'Haïti, kidnappé yon moun, yo mande 300,000-400,000. Combien million yo jwenn l'ajan sa? Le yon pral achete un zam l'autre bo, ha? Frère, c'est ça bien aimé, comprenne bien. C'est pour un green zam yo pral achete. C'est pour un petit caisse cartouche yo pral achete. C'est divers caisse cartouche pour yon entrer dans base. Parce que, bon, si y a seulement qu'on leve, le commence pété bali, parce que si ça, 7 petits boîtes cartouche yo. Donc ça pas mine rien pour lui et combien comme chaque grain cartouche yo vend donc yo ka nan $3-4 américains combien comme on zam vend nous capable nous connaît qui quantité le vend donc la plupart dans diaspora nous pas ka plaigner parce que ça ka passé dans pays d'Haïti nous pour beaucoup là-dedans go équipe bon ancien militaire et pas tout non la plupart non yo ancien militaire qui était dans l'armée aux États-Unis qui retraité qu'on y a là c'est ramasser zam voyez pas Borisite. Et quand même, le ou bay commission pour bay nan pays ya, bato kapote la, fogon non souli. Koli a gon non souli, di men, eme se mouk bay tel bagay, pou bay tel pou mwen, lori van Haïti. Même si yon efface numéro a, eme frères et sœurs bien aimés, à l'aide des zam nan, si ge bon jan enquête kap fèt, yon ap jouen nou bagay an dan zam nan, quand même pou yon di, se tel maison, se tel moun ki te vin achetel pou le voel nan pays d'Haïti. Donc, non ça qu'a passé à là, c'est ça qu'pour faire les États-Unis comprendre tout. Parce que yon pays pa ka signer protocole d'accord ensemble avou. Ou gen embargo zam son pays puis zam nan gade non. Li tout côté, nan tout si coin, à terre dans la rue, ça veut dire just ou est l'argent non seulement qu'on y a là, puis m'en tomber dans jour tout. Parce que franchement, ou pas de penser si bagay la tap vin kon sa pa Boris, si tout konne a, il se toujours respecté blan, depuis se blan tout moun koube, mais bagay la vire, nèg yo kounya la, yo pas se ti krem yo red chesh, yo semblable blan tout, yo ben se konne ki sa k fè, yo pa kabre blan tout, bagay ki sep, oh oh. Donc, jounen jodi ya, voye FBI, monte de son, kounya la, pou l'autre la deklare, pays sa pa aladan, kidnapping, viol, etc. Donc, les États-Unis, nouvelle la récit rivé sous vous pour comprendre ce qui a passé dans le pays par Borisite. C'est pas de à trois fois si malheureux, hein. Après l'amour, il sait qu'on n'est pas capable. Garder ça qui s'est passé. En bas, Ponte Exas dernièrement, là. Tout le monde s'est pété courir quitter le pays, à cause de insécurité, insécurité, insécurité. Tandis que qu'on radeau zam qui a sorti la caillou, à cause de l'argent à faire, eh bien, ou met en bas sous le pays, et puis zam n'a sorti la caillou encore. C'est quoi l'histoire, frère Zisse? Comprenez bien, oui. L'État haïtien a pas acheté des âmes. C'est pas des à trois processus, non? Mais, des fois, qu'on a gardé dans le port, qu'on a tenu des âmes. Zam a fini dans le baf, dans le 10, dans la date. Et même dirigeant pays d'Haïti, tout, y a pour beaucoup dans sa capacité. Parce que, m'ka comprendre, pays ou la gambago zam, ça c'est un. Les États-Unis, c'est amis ou ça c'est deux, pour qu'on ait problème dans ça. Mais ou même en tant que dirigeant qui a protégé bout de terre pour là, gon façon de réagir. Les gens de histoire ça y arrivé. Haïtien qui l'autre bord qui a bat col là faut qu'a joindre une solution pour lui la paix des vies des âmes baborisite là.
Nèg ki en Haïti, gros sénateur, gros et député, gros fonctionnaire, gros ministre, qui gen accès pour aller acheter pile zam sa yo. Pour venir avec on en pays ya, faut correspondre ensemble avec yo. Et bien journée jodi a, bagay la senti en bané nous toutes. Et fout te parler Biden ni te di bagay la prive en bané ou tout parce que ça k'a passé dans pays d'Haïti al pa piti. Et bien qui ça qui passe? Je ne jodi a, la France prend soufflette pal dans le pays d'Haïti parce que dernièrement là, yo kidnappé divers prêtres. Et bien, kounya là, les États-Unis pour l'autre gros soufflette encore. Bon, c'est là que t'as pral geze, si t'as gon bagay qui passe moun sa. Et là que t'as pral geze, pas Haïti non que t'as chaud. Les États-Unis qui t'as chaud devant le monde et li t'as route devant le monde. Parce que ou pas ka grand puissance, ou mette en bas gros âme son petit pays, et puis pour ça m'a sorti la gaye ou comme ça. Pour ça m'a sorti la caille ou comme ça pour la vider l'autre côté. On dirait dans pays d'Haïti c'est zam seulement qui pousse à balle. Et de temps en temps on entend la police a saisi. La police a saisi. Là la police fin saisi il pas marron grain monde. Nous pible fait toujours dans la vie nous. Donc journée jodi a en pile là nous dans diaspora a plaigné pour insécurité. Mais la plupart dans nous tout faut me dire nous contribuer dans ça qui a passé dans pays. Nous qu'on voyait ces âmes nous. À pas dernièrement la police qui bé un jeune homme qui bé jeune homme avec un zam nan enregistré sous qui est sous nous une qui joue Florida tandis que la vive aux États-Unis et puis zam ni en Haïti a fait zak malhonnête. Ah j'ai la vie ça. Comprenez bien oui frère c'est ça. Donc journée jodi a bagaille arrivé en banné les États-Unis pour comprendre situation pays d'Haïti pour comprendre peuple haïtien les ont plein de kidnapper au matin midi soir moi des fautes somme comme parce que l'argent ça est en américain imaginez qui côté à la grandir que économie qui pays à la grandir encore les États-Unis parce que nous pas fait ça pas bon ici nous pas fait balle tout ça n'a pas acheté c'est d'ailleurs sorti pour entrer dans pays là nous pas produit rien donc les ont fin kidnapper moun mande gros somme d'argent. Donc, yon pral utilise l'argent ça pour voyer dans l'autre pays, pour acheter des armes, pour entrer, pour être capable de plus d'armes. Donc, faut que les États-Unis comprennent qu'on y a qui sac pays d'Haïti. Qu'on y a là, l'autre là d'où, n'a pas négocié, parce qu'on pas supposé bailler l'argent, l'en bailler de l'argent, patati patata, etc. Et puis, yon d'où, missionnaire dans nos maisons qui, protéger. À la traque pour la vie, bon, si on a une maison protégée, sûrement, donc, c'est la police qui a protégé, parce que ça m'a dit. Il y a une maison qui protège, il y a un de quoi des bouquets, tout bagaille sous contrôle. À la traque pour la vie, papa. Donc, nous capables de comprendre dans quelle situation que pays est arrivé, l'État accomplice, autorité nous accomplice, diaspora accomplice tout, nous-mêmes tout nous complices, les États-Unis complices dans ce qui a passé à terre là. Oui, les États-Unis complices. Parce que là, les amis ont sorti la caillou. Vin fait vieux sac malhonnête, pas Borisite. Et déjà, pas Borisite, son savant, pas de pièces moun kap dirige, chaque moun fait ça au pipito. Là, on fin fait vieux sac ensemble avec Zamna, yo jouen l'argent. L'agence a encore eu pour aller réutiliser pour voyer la caillou, pour faire qui ça, pour aller acheter l'autre pour venir. Et tant que n'a pas acheté, c'est tant que n'a pas fait plus gros kidnapping, c'est tant que n'a pas pété plus balle parce qu'il faut nous entrer assez l'argent pour que nous capables voyer acheter. La goun nèg nan diaspora qui achète un zam pour 3,000-4,000 dollars. L'elvoye el, ici, nan bas vin von, la von zam sa 10,000-8,000 dollars. Ha! Gen a fait. Le neg a acheté 15 balles pour ti kras monnaie, puis vin revon li nan pays d'Haïti, chaque grain a 3, 4, 5, 6 dollars américains. Bel business. Mais, kounya la grain bal sa yo, nan de ki yes yo pral entre. Nan peut-être, moi-même ensemble avou, ki pap fanye nan pays ya. Citoyen paisible dans kou nous c'est dans peut-être nous y aura l'entrée. Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on a des souffrances? Ça veut dire tout ça nous fait bagaille toujours retourner dans corps nous encore. Donc peuple haïtien, prends responsabilité parce que ça qui a passé journée aujourd'hui, il y a pas de question et tel ses amis et tel pas de amis. C'est pas parce que moun dans ses amour pour que li choisi faire n'importe bagaille. Même chanti prophète créole l'a dit, sou bien avec moun ou bien avec chien devant porte li. Donc si nous bien ensemble avec les États-Unis, au moins, gon bagay pou l'ta fè pou nou nan kasa. Lè ke
yo prend moun nan nan zamba borisite. Non moun nan écrit sou kolia ki voye l vini. Dernièrement la msonje, journaliste Valérie Numa, si ton bon nom, moun kap voye zam nan pays ya ki nan diaspora. Qui ça les États-Unis fait? Pas foyer parce que dans pays là tout le monde gen droit pour acheter zam donc là au final acheter malgré le embargo dans pays d'Haïti au lieu de mettre frein pour dire monsieur si ça Haïti n'a voel li pas bon pour payer amende parce que gen embargo zam sous pays d'Haïti donc yo just passé yo vini yo a rentré et l'arrivé sous poyo encore gros série de l'autre gros mafia encore gros série de gros sénateurs gros députés qui te bay acheter faut y aller prendre gros série de gros nèg hein gros fonctionnaires dans pays qui gagne pile l'argent faut y aller prendre pas moi ça c'est pas qu'est-ce pas doum bien normal tout dans boîte même on rentre faire pas yo nous comprendre donc yo pas gagne temps pour y mettre le dans pouji dans baf ça pas intéressé ou même c'est tout emboîté ou passer ensemble avec pas yo. Donc, journée aujourd'hui, les États-Unis a comprendre, zam sa ou kap entre dans pays d'Haïti, même li capable victime. Donc, et dernièrement là, Daniel Fou dit, même ambassadrice là dans pays, si ou pas autorisé le sorti, il pas ka sorti. Si pas gen des trois machines qui pou accompagner, li pas ka sorti. Tellement ville la piégé, tellement gen gang tout côté ka bay contrôle à n'importe qui bon ka victime. Donc si nous dit nous mettez en bago, si président pa borisite te si un protocole d'accord ensemble avec nous, les gon moun yo kembel k ap voye zam pa borisite, eh bien l'autre bois nous doit faire travail nous pour nous marrer le tout mais protocole d'accord ça immédiatement les États-Unis finissent semble ou te tout fou en bout de coton bien tout plombé oreilles pour pas attendre rien là-dedans parce que gon équipe moun jusqu'à présent qui continue à voye zam pa borisite tandis que yo continue à marcher boîte à acheter zam toujours mettez nan bois arranger au voyer par Borisite pour vinn vendre et les agents douaniers BLTS joignent de gens des âmes ça yo qu'on est dans pays d'Haïti nous tout besoin ti l'argent nous yo gérer yo tout s'entendre tout bagaille passé bien facile yo al nan base côté aussi pour aller yo al nan côté aussi pour aller si yo gen chance mare moun nan même c'est bien mais moun nan ka gen temps prendre nouvelle la lague piel pa gen pièce pour suivi k ap fèt rien sérieux pas régler par Borisite là donc l'en lague pays nous tant kou savonne c'est ça k pou rive nous parce que pa gen rien qui illégal k ap sorti nan pays d'Haïti pas gagné qui illégal frères et sœurs qu'a sorti dans pays d'Haïti pour traverser aller aux États-Unis. Comprenez bien ça m'a dit nous là et la bagaille a fait mal. Pas gagné qu'a sorti illégal dans pays d'Haïti pour traverser pour aller aux États-Unis. Et des fois même agentio qu'on get ti bouteille, ti remède bay ça yo, ti bay fey wal cheke yo pou pote pou aller aux États-Unis yo pa accepté prendre yo di pa pote bagay kon sa donc et puis nan pays pa yo a nous même encore nous monter nan l'acheter tout champon nous ramasser tout tente pour vinn vide pa Borisite après ça coup de champon ça a commencé montan banen nous coup de champon ça a commencé piquer derrière nous n'a pral moyen sécurité nous pa ka vinn Borisite. Donc ou même qui dans diaspora contrôler diaspora pareil ou cap font vieux zak comme ça cap vie des âmes dans pays d'Haïti. Donc c'est à nous mêmes pour nous protéger boutte nous. C'est à nous mêmes qui pour remer boutte pa nous, c'est pas eux mêmes cap saute côté ou sorti pour venir protéger pour nous. C'est pas eux mêmes cap saute côté ou sorti tout pour venir faire opération pour ramasser zam parce que à chaque fois ou vinn yo fin ramasser entre yon encore. Donc les moun ki l'autre bois pral réacheter pour le revoyer par Borisite. En tout cas, bagay la difficile parce que eux mêmes yo pas quitter l'argent aller, faut que yo fait l'argent. Frère, c'est ça bien-aimé. En parlant de base 400 Marozo, ou connaît FBI li même la mené enquête. Bagay la red oui, bagay la triste parce que les bases a t'ap formé, gè sénateur, gè député qui t'est investi là-dedans. En tout cas, code la ka pi red oui nan jou k'ap vini yo la. On rete suivre parce que bagay yo vraiment compliqué. Chay sot sous tête, li tombe sous épaule. Ou quoi c'est traka? Dans la commune Fonverette, nous connaissons la commune Fonverette lui-même, qui ça qui passait pour lui. C'est une commune qui trouvait après Gantier.
Donc si vous prenez si vous prenez les fonds verrets, ou à passer quoi des bouquets, ou à passer gantier, ou à quitter route pour entrer mal passe là, ou à faire non route à pour monter fonds verrets. Eh bien d'après évêque Karl Henri Maisonneuve, les révélé qu'il y a un trafic d'âme qu'a fait dans zone ça. Et Dominique est venu, ça a fait, il a checké d'âme, il a bail. Et puis sortant de là, yo ramassé oignon, yo ramassé l'ail, yo ramassé pomme de terre et puis yo rentré la caille et puis yo rentré la caille, yo payé produit ça yo ensemble avec zam. Et pour sortir gantier, pour river fond verrette, peut-être ou ka jwenn on poste police ou ka remarqué quelques gren policier dans carrefour fond parisien. Ou carrément que quelques graines policiers là, mais pas tout le temps après. Donc, lorsqu'on s'y gantier, ou joue un commissariat, l'on passe dans carrefour, fond parisien, ou carré quelques graines policiers, après ça, pour sortir dans bloc ça, ou pral rencontrer ensemble avec policiers, juste fond verrette. Dans ville fond verrette. Donc, en connaît zone ça, c'est zone qui baille en pile pomme de terre, en pile zonyon, en pile chou, en pile carotte, etc. Et pour Dominique au sorti la caillou pour entrer fond verrette, yo ka passer plusieurs côtés. Parce que fond verrette seulement guide plusieurs zones qui débouchaient sous frontière dominicaine. Donc les Dominique au sorti la caillou, yo checké zam illégal et puis yo traversé ensemble avec li, les rentré dans zone ça et bien yo bay paysan zam, yo fait prix ensemble avec li et puis yo acheté pommes de terre, chou, carotte, zonyon, pommes de terre etc. En tout cas, mes chers dirigeants, m'a fait nouvelle la tomber dans oreilles nous. Kon ki jan a pran ça en considération puisque nous pas ka quitter tout pays pour le gangsteriser. Et dernièrement là, juste forêt des pi n'a pas rappelé nous gon docteur yo tiré juste dans zone ça yon zone qui pas de konn gen bagay comme ça qui passe. En tout cas la guerre averti pati et kokobe ou bien j'en m'étais capable dire pi bonnet c'est grand matin mes chers dirigeants comme ça n'a pas dit avec dossier zam ça nous même nous quitter pays pas nous tant kou savon tandis que n'a levé quitter pas nous nous pral construire nous pral acheter dans l'autre pays on a investi dans l'autre pays pa yo tandis que yo même ça fait chaque jour c'est des tuyaux pour la police pour qu'a toujours porter ba yo. Les États-Unis là, li pa jamais mettre frein dans dossier zam k'ap sot la kay li pour entrer dans pays d'Haïti, tandis que nous même nous pas ka sorti ak rien qui illégal la kay nous pour traverser la kay. République Dominicaine, nous pas qu'à sortir avec rien qui illégal pour nous traverser la caillou parce que y a des militaires qui pour cap surveiller tout petit bout de terre pour yo. Mais eux-mêmes, yo sorti la caillou, yo entré dans savon dans n'importe comment. Donc, j'en des histoires ça, yo femme connait qui ça n'a dit là-dedans. L'homme sans jour nous prend terre, on savon, il tomazo, il gantier. Il quoi des bouquets en même temps. Elle jumani tout. De a pas gokken contrôle, mes amis. Pas gokken contrôle sous les temps. Pas gagné. Mais nous tout gonflons dans Port-au-Prince. N'a fait malversation. N'a fait prostituée politique. N'a bat la ponyette. N'a fait toute vieille bagaille. Pays a lui-même la gangsterise dans tout petit coin. Tandis que, yo paye nous. N'a mangé. N'a bien gras. Et pourtant, paysan lui-même, population pas qu'à jouer un service. Bonne criminel. Son équipe bonne mercenaire, monsieur Saoui. Un paquet de politiciens mercenaires. Oui, son paquet de politiciens mercenaires, frère, c'est ça. Yo, c'est haïtien, vrai, mais son équipe mercenaires qui entre dans le Parlement, qui entre dans la chambre, qui ministre, qui tout gros cause dans le pays, qui rançonne, qui touille la population encore, ramasse ti salgain pour y aller de l'autre côté. Jean de prostituée politique, ça, yo. Faut que nous fassions gens pour nous finir ensemble avec eux. Demain, si Dieu veut, un bel dossier. Un gros dossier pour nous, dossier sécurité. Parce que, dans le jour là, regardez-nous, dans HMI politique là, et ancien sénateur Yuri Latorte, si, regardez-nous, affiché dans tout billboard net, hein, dans HMI politique là. L'affiche tout côté, la marche avec solution pour crise, solution pour insécurité. M'a vu dans le dossier pour nous, nous mettre connectés, frères et sœurs. Youn di lot, partage vidéo a pou nouvel la, tombe nan zore et puis demen si Dieu veut pou nou vin gaye kakachat la, parce que trop de respect en fait, nan ti boute pa bo isit.
Insolite nous pour journée aujourd'hui à frères et sœurs bien-aimés. Eh bien demoiselle ça va garder là. Ou pas imaginer ça la veut. Si demoiselle là a travaille, caillon monsieur. Monsieur a gè fiancé, mais c'est lui-même qui responsable pour faire manger pour te caille. Monsieur a son grand fonctionnaire. Madame ni tout, mais yo poko mari, yo pap vive nan même kay. Mais li prend demoiselle la pou ki sa, pou kapap travay, fè manger pou li, puisque madame ni poko ge assez de possibilité pou l'vin fè manger pou li. Et d'ailleurs, se fiancé l'vi an sa femme nan l'poko mari ensemble avec. Donc, sa ki pral passe, frères et sœurs bien-aimés, ti demoiselle sa ki trouve patron tellement, ouais ça m'dou la liquide patron tellement bon moun, et li même tout li bay bon ti service, li fait bon ti manger pour patron, bien clean kay etc. Et bien li pral commencer utiliser yon rituel, li pral commencer faire magie pour patron, capable remel pour patron tout rete ensemble avec le sortant de ya. Chaque mercredi, ti fils et l'elle fin retire manger pour patron. Chita sou manje a retire kilot sou li, fè vape manje a bat nan afel pendant la précité prière. Mais semble patron en pifo. Mais des fois tout patron kon pran sent nan manje a, on sent flandanman kèl pa ka comprendre. Patron gonlè, li frappe et puis l'ouel courir entre nan chambre, mais l'ouel dotouni patron di ket, sa ka passe kon sa, fòm konnen ki sa ka passe nan kay mwen, est-ce que son l'autre nèg ki vini kap distrait, donc si son nèg ki vini kote l kap distrait, préfère le te mette m clair. Patron pa di le sa, mais sa ka passe, la psi veyel, la bali kontrol. S'entendez à mesdames, mademoiselles et messieurs, un jour, pendant patron pral sorti, li di, ah, mwen pap rentre bonheur, puisque mwen go réunion, fok mwen fin fèl et puis après ça m'a rentré donc gen possibilité pour m'rentrer un petit peu très tard. Demoiselle la di OK pa gen problème patron al travay. Ou konnen se met kay li gen double clé l gon façon pour l'entrer sortant de monsieur pral entrer nan kay la vers 11h comme ça pendant manger a préparé et bien c'est les sal pral sorti sous ti jeune fille a ki chita ki tout touni hein. Sous plat manger patron avec sauce là, la précité a fait et puis la fait vapeur manger entrer dans affaire et puis la peser vapeur sous manger. Le patron m'a dit expliquez-moi qui ça fait là. Si femme bral sauter et les sal bral expliquer son rituel l'a fait pour patron ka tomber d'amour donc la prend nan manger. Est-ce qu'on est des donc l'ange moun k'ap travaille la caille nous gon façon pour nous gérer le gon façon pour nous mettre contrôle sous lit donc ou même madame ou gen moun k'ap travaille la caillou précaution faites attention parce que des fois nèg la kon leve autant de la batou l'horloge li vire le pawel l'autre femme pou le prend que femme ça faut qu'on est est-ce que nèg la pas prend nan ti voudra. La police nan aux États-Unis fait un gros coup de filet spécialement dans Florida dans West Palm Beach. Eh bien j'en ai regardé monsieur Sayola gen divers haïtiens qui fait partie de groupe gang ça qui formé dans Palm Beach. Gen Jimmy Belloni monsieur gen 25 l'année. Gen Brenton Carter qui gen 23 ans. Gen James Deneus qui gen 25 l'année. Gen Angelaire Deronville qui gagne 25 l'année, gen Bijouri Jean-Louis qui gagne 21 l'année, gen Mosler Joseph 26 ans, Stanley Nemorin qui gagne 28 ans, Jean-Paul 29 ans et puis Juvenil qui gagne 17 l'année. Donc frères et sœurs bien-aimés, mesdames, gardez bien parmi nèg sa yo, si n'pa konn gen kap finanse nou pa bò isi, si n'pa tande yo encore c'est que la police nan West Palm Beach dépose la patte sou yo parce que nèg yo la gè nan tout vie bagay, imagine ou nèg sa ou pral tourner nan pays d'Haïti parce que si yo ke bon nan gang, déporté yo ap déporté, est-ce que ap déporté yo? En tout cas, kaka pral voye pirèt toujours nan pays d'Haïti, a la traka pou la vek a etè, donc est-ce que ou pral nan prison nan pays d'Haïti? Donc nou poko konnen, imagine nou ou aux États-Unis, pou ap bien vivre, ou pa gen sécurité nan kwa kounye ou al choy pou kreye sécurité nan pays moun yo? Je la vi sa ou, koun ya la pou yo pimpo pa bor isi. A la traka pou la ve kaite. Nou kapab comprendre tout si bon gren yo vin. Yo pran yo, yo entre la kay yo, mais immédiatement yo jwenn yon vie gren yo pap kembel yo pap supportel pou nou. Yo ap ramase yo voye vie reje a ba nou na debouye nou pa bor isi. Fè sa na fè ansanm ak li.
Jean-Ken te annoncé ou, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous songe hier, te ge gros manifestation qui te faite devant bâtiment Digicel à cause des dossiers moncage qui augmente frais, ou pral déposer l'argent, ou gon frais wapé, ou pral faire retrait, ou gon frais wapé. Alors, traka pou la ve kaite. Retrait, frais. Bien, matin bout, répond nous tout pour le dire nous, li pas doublé, ni li pas triplé prix transfert. Just li augmente l parce que li vle garanti avenir mon cash. Est-ce qu'on est raka? Donc, comme c'est un petit qui montre façon pour yon coche l, bagay la simple. Mais si a choisi mon tafel, a fait le se pou li, ou pas ka dil ba montel. Ou pas ka dil ba montel, a fait le se pou li. Ou même ka utilise la, faut te ka descendre la justice. Parce que au moins l'elle monte là, faut ou al mené investigation pour connaître est-ce que agent autorisé yo joue non salaire en plus. Est-ce que moun kap travail en dedans salaire augmenté? Donc ça fait nan factory a tout bagay monte tandis que moun kap travail yo toujours été avec, yo toujours été dans même niveau a. Et on choye pour toujours gagner un paquet pile bonne maille au piqué pour moun ap voler pour yo pa jam choye pour comme yo te capable augmenter ou bien améliorer condition la vie moun yo pour augmenter salaire moun nan chita la coûte mayo pa yo ka vann $50 américains tandis que li même kizen pa la pa même coûter $50 américains ala traka pou la ve kaite papa. En tout cas ki vivra verra mais ki moura kakara se Haïti la république des coquins divers pays nan Caraïbes la yo kouri d'ailleurs nous même nous pran wak bras l'ouvri et puis sortande a jounen jodi a yo passe vitesse Jean yo vle bagay la tellement bon Martin Bout naturalisé c'est haïtien natif natal n'a quitté sort ya et ça n'a quitté sort frères et sœurs comme ça bagay la il pas jouet là donc mesdames mademoiselles et messieurs bienvenue dans Haïti la république des coquins. Haïti la république des coquins. Comment t'es qu'à comprendre pour mon doux libéral mettre sécurité dans le pays sans pas améliorer condition la police? C'est la vérité, monsieur. Je n'ai jamais dit en prenant là en République dominicaine, eh bien, ils ont annoncé dans le jour qu'ils viennent là, uniforme, ils ont pris la police là pour bien dire, je n'ai pas mal la police militaire pour le mettre là pendant heure de travail, ils ont gagné caméra de surveillance sur yo. Mais pays! Comprenez bien, oui, en Haïti, ou t'attendez au doux comme ça, yo pral mette ça, nan uniforme, nan gilet policier, ouai, politicien a commencé à relamouer, ouai, monsieur qui gagne pile l'argent dans le pays a commencé à relamouer, yo a entré dans vie privée policier. Mais c'est quoi l'histoire? Hey! Yo a entré dans qui ça, frères et sœurs? Dans vie privée policier. République Dominicaine, qui différence qui gagne entre lui-même à Haïti, là, dans tout chargé corruption. Juste structuré. Et gen sécurité. Donc si nèg fin font bagay li tout yon moun, rapidement yon capable et font jan pou yon capable jouer un assassin. Est-ce que nous comprenons? Mais dans le pays d'Haïti, imagine yon 4 démalog qui fait, oui. Yon 4 démalog qui fait. Et jounen jodi a, monsieur a fait gros vote pour comment yon te capable détourner 4 là pour yon retourner ancien 4 là pour yon pas utiliser 4 ça. Yon 4 démalog qui fait. Tandis que, dans le cadre de crédit, ou a utilisé une puce électronique, dans le cadre d'identité, a tout une puce électronique, il faut comprendre, bien, puce électronique, là, ça lié, il contrôle les quatre là, dans mon. Mes frères et sœurs bien-aimés, n'est-ce qu'on fait nous sortir en pile, oui? N'est-ce qu'on fait nous stupides en pile, oui? Et on choisit, puis on toujours, que ben, nous, dans le même niveau, pour ne pas jamais éclairer, puis on même, on continue à voler. Parce que ancien 4 la vrai, bah bon, li pa bon, pa gan yé ki, si le père dit kote ou pral fè rale, fol gon pis électronique là dan. Yo ka jwenn tout donné immédiatement yo rentre l'on kote yon di, mais ki kote ou fèt, mais ki la jou, mais ki nationalité, etc. Mais ancien 4 la sal ka fè, est-ce qu'elle gen? Non, l'pa gen. Et immédiatement 4 sa fin passe non apare yo ou vote déjà, pa ka retourne vote, et n konne neg yo même, se nan koken yo gen élection, pa jam accepte ton 4 kon sa. Donc, l'autre de Jovenel Moïse de dou kon sa, eh bien, les élections ap fait, élections ap fin fait, non ti délè, tout kout yo supposé bay résultat, li te kon sa l'tap fèl, te kon comment l'tap préparé. Mais nèk pa bor ici tellement coquin, se nan volé pou yo fè l'ajan, se nan corruption pou yo passe pou yo vin chef, et sa k'fè yop toujours et ton on chef corrompu tout, donc se sa k'fò wè, tout litige sa te gen nan dossier 4 de malog la.
Bienvenue dans Haïti pays spécial, frère. C'est ça bien-aimé, je vais regarder image ça là, ça ou là dedans. Comprenez bien oui, bah ça c'est en Afghanistan ou qu'on voit, n'est-ce pas? C'est en Afghanistan ou qu'on voit donc. Pas réussi de pagil, mais l'on a regardé l'expression visage, moun ki kembe bout de fait ça, à façon de mettre les pointes sous divisèle là, aïe aïe aïe, son bazou kal envie lancé, hein? Et ça l'envie passer divisèle et puis tout mettre le plat. Ou ouais, intention, mais malheureusement, pas réussi de nous pas travailler pour ça. Nous pas assez de connaissances pour ça. Nèg yo limité, nous j'en bagay, j'en de histoire ça, on bab, j'en m'conne yo. Après des chlorates nous qu'on fait pour péter bon après ça nous pas qu'avant rien encore et manger dire puis chercher côté dormi aussi simple que ça. En tout cas, Haïti c'est pays spécial, c'est la république des coquins qui vivra verra mais qui mourra kakara. N'a fait place à Voix d'Amérique pour assez formation nationale et internationale yo. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui pas trop long. Monsieur, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizère depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter au rendez-vous info un programme en langue créole haïtien nous dans Washington. N'a commencé avec actualité à notre pays d'Haïti côté que kidnapping spectaculaire groupe 400 marozo fait sous 17 missionnaires étrangers. Pas pifo la DOC américain, pour ne pas dire 16 la DOC américain, et puis gen yon canadien. Et bien, c'est un sujet qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, habitants dans la zone Titanien, yon localité dans la commune Cabaret, manifesté contre kidnapping et yon mandé libération missionnaire étranger que groupe 400 Marozo kidnappé samedi qui se passe là. Correspondant nous, Massiado Vilme, t'es sous place, il te parle avec quelques manifestants. Il y a 17 missionnaires américains qui sont missionnaires CAM qui ont capturé pour nous, de kidnapper pour nous. 100 missionnaires, ça y est, les gens dans la rue là, en pile grand monde, cheveux blancs dans la rue là, petit jour à l'école. 100 missionnaires, ça y est, en pile grand monde, ça y est, l'autre a déjà allé avec Kayo. 100 missionnaires, ça y est, ils ont dormi, mais n'importe qui a été tombé, ils ont couru levé. Ces missionnaires, ça y est, qui recouvrent Kayo pour nous, c'est eux qui font grabion pour nous, ça l'état de faire pour nous, pas faire. On va vivre dans le titan, on va parler avec Robert qui est un leader dans la zone ça. Donc, on a demandé libération missionnaire Kamyo. Raison. Yo, bureau central de ce titan est lié. Je fais route béton pour nous marcher. Yo ba nou gabion avec kay nou pral nan ravine yo ba nou gabion yo ba nou lambade donc nou mande libération missionnaire ça ou pressé et ainsi tout l'autre haïtien qui nan kidnappé yo nou di nou a kidnappé nou ti jeune nou vle vivre nan pays nou nou vle étudier nou pou équipe bagay mais avec kidnappé nou fermé tête nou pou mete communauté avec staff mwen nou apprend que 4 marozo kidnappé 17 missionnaires pour mission CAM c'est dans un basé bio central li nou mande libération yo et tout d'abord va libérer n'a nan l'aria net aller. Et nous m'avons libéré tout d'ici là dans le donc c'était une idée sur ambiance qui était rien jodia dans commune dans localité Titanien une commune dans Kwa de Bouquet qui a demandé libération 17 missionnaires et américains parmi 17 ça yo gagnent yon canadien et groupe 400 marozo réclamé yon million de dollars pour chaque grand otage qui en bas main yo en allo ça bibré groupe gang 400 marozo qui kidnappé 17 missionnaires étrangers Christian Aid Ministries réclamé comme rançon yon million de dollars pour chaque grand otage donc nous connaît que l'appement des gens de comme ça donc c'est côté mon chauffeur jeune comme là c'est aider ou te vienne aider c'est aider ou te vienne aider c'est ça que nous voulons ravir c'est vous comprendre mon dieu c'est aider ou te vienne aider image ça pas bon pour Haïti si on mauvaise image nous t'es déjà une mauvaise image déjà donc vienne ça vienne la telle image nous même secteur protestant la telle image peuple haïtien donc n'a demandé bandi yo qui gain missionnaire nan mais monsieur tendez la raison pour relâcher mon dieu pasteur Calixte Floridor président fédération protestante là pas quoi dans question de bail rançon. Et c'est toujours comme ça de pour prendre mon yo, yo toujours mandé comme. Mais nous-mêmes dans la fédération protestante d'Haïti, c'est que nous pas gain des moyens appropriés pour que j'ai des accès pour nous dire oui, nous pas négocier parce que c'est pas négocier, nous pas non éternité de négociation. Donc ça qui est important aujourd'hui, c'est mettre en mise en place une structure pour empêcher que j'ai des accès et même si on est arrivé pour l'État à combattre yo pour le combattre, côté que l'État doit arriver pour l'autorité policière, capable de arriver vers monsieur, pour prendre mon yo et aussi donc mettre en prison tout fautif agent des actes.
Pendant ce temps, il y a une pile tractation qui a fait d'après quelques sources et situations très présentes dans les médias internationaux. Autorité américaine yo déjà en action. John Psaki, c'est secrétaire bureau communication la Maison Blanche. Pour qu'on y aille, il faut nous concentrer sur responsable en Haïti, FBI, n'a travaillé serré avec équipe diplomate nous dans ambassade Port-au-Prince là, n'a coordonné avec autorité locale yo, nous prend contact avec famille missionnaire yo et n'a fait tout ça nous capable pour nous assurer yo retourner la caillou sain et sauf. 17 individuals, 16 of whom are US citizens. Were kidnapped on October 16th on C'est même déclaration porte-parole département d'État Ned Price qui mettait accent sur mission yo côté sécurité citoyen américain yo très important pour yo et que déjà voyez une équipe en Haïti qui travaille sous dossier en collaboration avec famille otage ambassade États-Unis dans Port-au-Prince et avec autorité haïtienne yo parmi yo la police nationale. Pendant ce temps gagne un missionnaire qui dit que li à genoux la prier pour libération missionnaire sa yo au total 17 16 américains yo canadiens qui gagne là-dedans yo 5 garçons 7 filles et 5 timons. It's comforting to us that we can bring these heavy burdens to the God that we worship, truly trusting in our Autour sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington, d'ici cette nous sommes là et porte-parole département d'État Ned Price, il dit que déjà gagné une équipe qui sous place dans Port-au-Prince cap travaille sous dossier. Nous avons essayé d'entrer en contact avec FBI pour nous connaître qui genre opération a mené. Il n'y a pas de faire déclaration sous opération dans le pays d'Haïti. L'autre réaction sous kidnapping, ça correspondant dans Port-au-Prince, Gounan Toussaint, parler avec un ancien député dans la zone Gantier. Dernier enlèvement collectif ça a soulevé gros réaction aux États-Unis d'Amérique et Haïti côté ancien député circonscription électorale Gantier Fauveretla Pierre Jude destiné dénoncer Zaxa et puis tout les critiquer autorités américaines et dominicaines yo li quoi qui pas aider paysan combattre trafic d'armes et munitions des côtés qui responsable problème non aujourd'hui c'est custom ça veut dire douane États-Unis qui pas mettre en surveillance qui était assez musclé pour t'imposer zam entre dans pays an, et République dominicaine côté frontière là c'est un passoire ancien parlementaire mandé libération otage pressé pendant mandé autorité yo élaborer un plan durable pour résoudre problème sociopolitique et économique là moun k'ap fait politique dans pays an pour yo choisir une autre manière pour yo faire politique parce que raison qui fait que tout groupe armé ça yo c'est parce que l'État, bon côté, il était failli qui fait ça arriver là. Bon côté, le député américain Adam Kinzinger proposait une intervention musclée pour libérer otage. Pendant ce temps, d'après information, une équipe FBI déjà souterrain en Haïti pour enquêter sur kidnapping 17 missionnaires américains. Le premier ministre Ariel Henry montrait tout, il est très préoccupé par rapport à la situation. Ça. N'a pas rappelé, missionnaires, c'est des gens qui ont aidé les gens dans la commune Gantier avec. Quoi des bouquets, la question qui a rapport avec Ophelina. Renan Toussaint, pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Pendant ce temps, il y a un coordinateur général parti politique Vive Haïti, Biron ODG, qui fait même et constat et qui mandait les États-Unis pour suspendre faciliter les armes avec munitions rivées dans les mains bandits pendant l'exhorté groupe 400 Marozo pour libérer tout otage qui a été parmi les 17 missionnaires. Américain, Biron Rodige t'a rencontré avec la presse aujourd'hui. Depuis ce monde, yo gang yo kidnappé, kit moun nan gen moyen, kit moun nan pa gen moyen, nous souhaitons libérer tout gang yo. Pour l'état créer condition moun sa yo non seulement pour libérer missionnaire américain yo, libérer tout malheureux malheureuse haïtien qui nan men yo et pour l'état prendre responsabilité gang sa yo pour transformer vie yo. Mais malheureusement, ce n'est pas l'État sanien là. Ce n'est pas l'État sanien là. Oui, d'accord pour libérer otage. Pas otage, ça veut faire. Surtout otage américain. Ça veut faire dans le pays. C'est bien, on veut faire avec le pays. C'est service, on veut faire avec la société. Alors, sur outil, après, belle l'école, on fait. L'école professionnelle. On fait pour jeunes haïtiens. Mais c'est comme taxe américain. On prend la caille, on vient investir là. Ils ont une bonne information. Et puis, je vous dis, c'est ça, nous avons comme résultat. Donc, otage, ce n'est pas un autre problème. Le problème, c'est le gouvernement américain. Le problème, non. Parce que c'est le gouvernement américain qui a empêché les armes d'entrer dans le pays. C'est eux qui ont empêché
et munitions rentrent dans le pays. C'est ça fait nous-mêmes, au niveau Vive Haïti, nous prions en grâce avec tout gang, yo, ni 400 Marozo, ni Village de Dieu, ni Grand Ravine, nous demandons de libérer tout otage. Libérer tout, parce que nous n'avons pas de quoi vrai. C'était coordinateur général parti politique Vive Haïti, Biron Odigé. Et puis, autorité américaine a toujours dit que même yo vle, eh ben, professionnaliser la police nationale là pour être capable d'assurer sécurité et pays. N'a pas quitté actualité à notre pays d'Haïti pour entrer aux États-Unis côté général Colin Powell, qui c'est premier noir américain qui occupait poste secrétaire d'État, soit ministre affaires étrangères des États-Unis, et qui c'est un ancien commandant en chef au état-major forces armées américaines. Et bien, il mourit dans le commencement journée lundi 18 octobre 2021 en bas complications qui associées avec maladie COVID-19. Là, il était gagné 84 ans. Lionel Demarat a présenté nous un résumé sous la vie à carrière général Colin Powell. La famille Powell annonce nouvelle la mort général Colin Powell là sous compte Facebook yo. Côté yo déclaré n'a cité, nous perdu yon mari, yon papa, yon grand papa avec yon grand américain qui remarquable et qui te gagné yon grand cœur. Fin citation. Famille a ajouté Colin Powell te vacciné comme sa droit contre COVID-19. Ça veut dire il te prend quantité de doses qui te nécessaire yo et yo présenté équipe Centre médical national Walter Reed là dans Washington. Toute reconnaissance pour traitement plein affection été offrir pendant dernier juillet. Colin Powell t'est occupé poste pigot diplomate américain, c'est-à-dire secrétaire d'État en 2001 et 2005, soit pendant premier mandat président républicain George W. Bush. Avant ça, comme un général qui t'a gagné 4 étoiles sous épaulette et qui t'a passé 35 années dans l'armée, il t'a travaillé comme leader militaire Pentagone non au département défense là. Comme commandant en chef, tous les quatre branches forces armées des États-Unis entre 1989 et 1993, sous administration premier président Bush, là, George H.W. Bush. Colin Powell t'a servi les États-Unis ni sous président républicain, ni sous président démocrate, ni dans le temps de la paix, ni dans le temps de la guerre. Réputation qui était irréprochable pendant longtemps, t'a pral taché à venir pour serrer jamais. Après, il t'est comparé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour te faire quelques faux déclarations, pour te justifier raison pour les États-Unis t'es entré dans la guerre avec l'Irak. Vraiment vrai, dans l'année 2003, Colin Powell t'a pris la parole devant le Conseil de sécurité en tant que chef diplomatie américaine et puis démontré par A plus B pour qui ça yon la guerre contre l'Irak t'est reposé sous sa président Bush Terrele yon causa belli, yon cause pour yon la guerre juste. Dans un moment côté un bon parti dans la communauté internationale là, t'es douté que États-Unis t'ait gagné un bon genre raison pour te livrer la guerre. Général Powell t'a pral servi avec faux arguments, avec information qui chita sous menti pour dire l'idée irakienne à l'époque là, Saddam Hussein t'ai serré dans l'arsenal li bon genre zame destruction massif. He always made time for me. And I could always go to him with tough issues. He always had great. Actuel ministre défense américain, ancien général Lloyd Austin, qui c'est un noir américain, même j'ai avec Colin Powell, dit, nouvelle mon général Powell là, qui était un gros trou dans le cœur. Le monde perdu, yon nan pi grand leader m'te jamais gen occasion qu'on ait. Madame Lee, Alma, perdu yon grand mari, et famille perdu yon papa extraordinaire. Et puis moi-même, moi perdu yon ami et yon conseiller personnel sans pareil. L'étape servi me conseiller pendant plusieurs années déjà. Li toujours gen temps pour moi. Et m'te capable al côté n'importe qui là si m'te gagne un problème sérieux ou grave pour me résoudre. L'été toujours bon gens conseil. Fin citation. Déclaration actuelle ministre défense américain Lloyd Austin, c'est une dans plusieurs témoignages la presse recevoir après annonce la mort Colin Powell. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC ou a suivi un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Dans moment ça, nous voulons saluer tous les amis Facebook nous qui suivent nous en direct et puis sur toute notre plateforme nous parce que nous gain YouTube, nous gain website nous qui c'est VOA Nouvelle et nous saluons tous les amis qui a écouté nous dans Chili, dans Brésil, dans Mexique et surtout Ciudad Acuña, ce qui est côté Jean-Robert Philippe, qui est un pile d'amis. N'a pas retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Eh ben, je vous dis, c'était deuxième jour grève là et contre insécurité et contre problème
et gasoline. Eh bien, Renan Toussaint a dit nous qui en s'attaye pour deuxième journée. Jeudi, c'est mardi 19 octobre 2021. C'est deuxième journée grève générale que le secteur transport en commun a lancé pour dire non à l'insécurité, non à kidnapping et puis tout pour demander aux autorités concernées d'assumer responsabilité pour résoudre problème raté carburant. Toute bagaille était paralysée normalement. Mardi 19 là, il y a quelques motocyclettes, quelques machines qui circulaient au ralenti. Mais toujours est-il, banque commerciale n'a pas fonctionné, grand business n'a pas fonctionné, sauf que le secteur informel là qui fonctionnait au ralenti. Non, pas M. Renan Toussaint. Pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint a banné une mise à jour sur situation dans le pays d'Haïti, sur toute une grève générale. Il faut dire que une discussion entre et syndicats, il y a qui dit que son grève générale, il y a l'autre qui dit que non, c'était pour un jour, mais et correspondant nous, dit nous qui j'en deuxième journée grève générale là passé dans le pays d'Haïti hier, selon mon organisateur, eh bien, il a observé à environ 95%. Ça, c'est chiffre, pas c'est pas chiffre, la Voix de l'Amérique. Pendant ce temps, on a parlé de immigration, il y a un groupe immigrant qui sorti en Amérique centrale, avec l'autre côté encore à Paris pour participer dans une caravane qui est venue aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, après, dit nous plus. Jean-Robert Philippe, c'est spécialiste dans la question immigration dans le service qui est là. Jean-Robert Philippe, parlez-nous de caravane, ça nous. Effectivement, Jacqueline, d'après les nouvelles, l'administration, par contre, côté pour mettre colle tellement que l'y inquiété avec nouvelles qui fait qu'on est. Qui administration, Jean-Robert? L'administration américaine qui, par contre, côté pour mettre colle avec nouvelles qui fait qu'on est que normalement, gain pour pipiti 5 000 mounoka, avant qu'il y ait 5 000 mounoka qui déjà planifié pour mettre tête pour États-Unis avec possibilité pour entrer dans le pays sans document légal. Donc, son barrage que l'administration parle, vous attendez, vous planifiez, vous demandez merci pour chercher Kembe et immigrants. Grand yo, alors puis faut la donner à haïtien, mais qu'un béo empêcher au bouger, mais il semble que ça va pas marcher. Caravane ça, qui est immigrant qui soutient l'Amérique centrale là, Amérique du Sud à l'autre côté, après on va à pied, soutient dans le tabacou là, et dans sa passe, et soutient dans sa passe avec le Mexique. Immigrant ça, oui, il peut traverser frontières sans document légal. Préparatif ça a fait dans moment où le tribunal aux États-Unis a demandé à l'administration américaine pour recommencer le processus de demande d'asile plusieurs milliers d'immigrants anciens administration Tomplan Tevoé Altan au Mexique en attendant un juge prononcé sous demande d'asile été fait. Si se va a faire la caminata, primero que nada, si hay represión, o sea, esperemos, dice, en primero que nada, que se respete los derechos humanos, que se respeten. Directeur PEP sans frontières, déclaré caravane n'a pas pris direction États-Unis. Il y a paré pour ces boulons. Nous voulons pour droit respecter. Si vous paré pour bloquer caravane, eh bien, immigrants ont déclaré qu'il y a un autre moyen pour arriver dans la destination finale. Ils n'ont pas campé dans route. Nous ne permettons pas de continuer à rester dans la prison ici. Nous ne permettons pas personne. Immigrants sérieux qui bloqué dans Chapatou là, gain longtemps depuis y a tant de demandes d'asile yo fait pour autorité mexicaine autoriser rester dans pays ya pour capable travailler. Autorité mexicaine a gommé pour que les immigrants dans Chapatou là qui dans état Chapas sous frontière pays ya partagé à Guatemala. Mais tension a augmenté entre immigrants avec autorité. El gobierno de Biden va a darle 20 millones de dólares al gobierno de México y de Centroamérica para contener y Luis Garcia, c'est un militant droits humains, par l'étude, l'administration Biden a abattu le gouvernement mexicain avec le gouvernement d'Amérique centrale 20 millions de dollars pour empêcher les migrants de continuer le voyage pour venir aux États-Unis. Il a offert la municipalité à 10 millions de dollars pour nous capabiliter ici. Mais il a le fait pour tout le monde. Sinon, l'argent pourra l'utiliser pour bloquer et puis déporter que le gouvernement mexicain a fait. Plusieurs centaines parmi les immigrants ont appliqué pour asile dans la Commission mexicaine pour assistance réfugiée. Comment à service immigration, à quelque soit, il y a un document pour régulariser le statut dans le pays. Dans les nouvelles lieux, il y a environ 90 000 immigrants qui sont bloqués dans la partie là au Mexique. Jean-Aubert Philippe, Washington. Oui.
Et Jean-Aubert, avant et vous dit ça très bien que ce n'est pas seulement que l'Amérique a demandé Mexique pour le Kimbe Mounio, mais Mexique joue un comme tout, bien que nous voyons que Mexique tout n'est pas fin vle d'accord Kimbe Mounio net, mais pendant ce temps, comme Washington en amène. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment une cigarette qui est dans le début. Donc, on côté administration a mis des pressions, il dit que nous, voilà, il faut dégager. Et nous connaissons que le vice-président américain, Kamala Harris, fait partie d'une commission qui travaille avec Mexique sous question ça. Il travaille avec Guatemala sous question ça, avec l'autre pays dans la zone, sous question pour bloquer les immigrants. Il a bon l'argent pour qu'il y ait fait programme pour qu'il y ait la caillou. Mais malgré ça, le code de la lâché, les immigrants ont tête calée, ils pas l'état. De un et au même, c'est États-Unis qui a gardé devant eux. Et nous connaissons que le Mexique a un problème. Tout va dire que le Mexique a une quantité de monde qui a tant de demandes que vous faites pour que vous ayez été dans le pays. Mais vu que tant que ça prend, et bien, immigrants eux-mêmes, tout Jacqueline, ils ont perdu patience et eux-mêmes, ils ont dit, bah, vous prenez chance au plutôt aux États-Unis, écoutez, vous pensez que la vie est capable de mieux pour eux. Et Jean-Baptiste, vous expliquez très bien la situation. C'est que les États-Unis, c'est un coup, ils ont un accord que vous signez avec un pays, tant que Guatemala, tant que Mexique. Pour les gens qui peuvent entrer illégalement aux États-Unis pour être capable de kembe en attendant que vous preniez une décision sur yo ou bien vous quittez l'entrée ou bien vous refoulez dans le pays, si vous mentez, Jean-Aubert. Non, ça dit assez exactement. L'administration, ancienne administration de planté gain était signé à Costa que il était relé li altan au Mexique. Donc les ont fait une frontière, ils ont dit que vu que quantité de monde qui vient là et que pas assez de juges qui pour tendre mon yo et administration était joint en entente avec gouvernement mexicain en moyen que gon aspect financier là-dedans pour le Mexique kembe mon ça la caillo pour nous en attendant que nous-mêmes nous juges yo préparer dossier ça et n'a on est qui est-ce qui va rentrer, qui est-ce qui va rentrer. Mais il semblait que les un certain temps, l'administration Biden était campée sur le dossier, elle a dit que lui-même, il n'a pas été pour engagement, il n'a pas honoré ça que l'administration Trump a fait. Mais dernièrement, là, on juge dit à l'administration Biden, non, il faut qu'il n'y ait pas de faut tourner sur le dossier, ça, il faut nous tendre, il faut nous faire une chance, quitter le juge, tendre le monde et faire revenir. L'administration Biden a dit qu'il n'a pas honoré, même si il voulait aller en appel avec décision, mais il n'a pas semblé son barrage. Étant donné que le juge l'a mandé, il faut le faire parce que c'est ton accord qui est signé, il faut qu'il y ait des paroles. Merci Jean-Robert Philippe. Et toute analyse dit que la question immigration, ça, libéral très présent et même déterminant dans l'élection mi-mandat ici aux États-Unis. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons quitté Washington, nous prenons dans le pays Chili et nous allons retrouver le journaliste Caniglia qui lui-même pral dit nous qui j'en migrant haïtien yo et lui-même yo en difficulté parce que pour yo joindre papier pour yo capable rester dans pays Chili Caniglia. Depuis jour qui était 1er octobre 2021 processus retourner rentrer dans Chili vin officiel après une année pandémie. Gain en pile compatriotes nous qui t'a cherché moyen quitter ici quitter joindre déportation depuis dans pays les États-Unis qui t'a décidé prendre vol tourner pas bon ici dans Chili. Dans la déclaration officielle Alvaro Belolio, qui est chef immigration, qui a dit tout le monde qui est entré dans le processus ou qui est résident Chili, qui est entré normal, avec toute précaution qu'il prend dans la pandémie. Si là. Nous avons pris quelques opinions dans le micro La Voix de l'Amérique, sur tous compatriotes. Si là. Le chef passé sur l'autre opportunité encore, même les nous connaissons les gens difficiles ici, par rapport à Jean. Ils ont déporté les gens, si ils ont l'intention de retourner, ils ont la possibilité de retourner. Et puis, ils ont côté de sortir à Haïti. Ils ont vu qu'ils peuvent arrêter de vivre là-dedans. Ils ont choisi de retourner. Ça, c'est une bonne opportunité. Et justement, moi-même, étant que j'ai été capable de vivre dans le Chili, moi, je pense que c'est une initiative qui est tout à fait exceptionnelle par rapport à la conjoncture du pays, nous, Haïti. Nous connaissons comment ça est, surtout. Et les gens qui vivent en famille, je pense que c'est une belle initiative. Mais et ça qui est important, nous pensons que l'État pays a lui-même, puisque il y a des gens qui ont pris des mesures qui ont pris, même parce que pour moi-même, c'est une belle initiative. Puis, il faut essayer ça qui retourne ici dans Chili. Dire que c'est une grosse opportunité que le gouvernement Chili offre. Parce que la grosse sécurité qui blaye en Haïti, il n'y a pas sauté. John Caniglia, pour la Voix de l'Amérique, depuis Santiago du Chili. Merci, John Caniglia. N'a pas été toujours en Amérique du Sud et qu'on y a nous pral au Brésil avec journaliste Chesley Jean-Baptiste. Sauti année 2010, pour arriver année 2021, mis sans pas, c'est environ 33 000 Haïtiens. La Voix de l'Amérique a fait un petit coup de pied dans le local institution, ça a parler avec Père Paolo Paris.
prêtre l'a dit, mis son pas accompagné haïtien ou dans divers domaines, tant pour aider aux jeunes qui ont été manger, faire passeport et surtout apprendre le portugais. Une façon de capable de travail est facile. Durant la pandémie, nous avons des difficultés côté nous avons obligé de modifier quelques pratiques pour éviter la contamination par rapport au coronavirus. Dans le cas des immigrants, nous avons seulement 713 personnes et nous avons mis en application un régime de quarantaine. C'était l'occasion pour Père Paolo Paris d'exprimer tristesse par rapport à la quantité haïtienne qui mourit dans la voie, dans l'idée pour la possibilité américaine, même si c'est illégal. Un pile haïtien qui était là, qui était au Brésil pour aller aux États-Unis, fait presque un mois et demi en route, passé par Pérou, Équateur, Colombie, Panama, ça qui cause un pile souffrance côté des monde qui même rêvé perdu la vie. Nous avons souligné, nous ne sommes pas existés dans divers pays, parmi eux, Haïti. Institution ça a mis à disposition immigrants et réfugiés qui sont dans divers pays et un service psychologique, médical, social, juridique et surtout une bibliothèque. Chesley Jean-Baptiste, pour la Voix de l'Amérique, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil. Et nous presque arrivés dans fin programme non abdou d'après yon sous que nous avons fait confiance. Il semble que déportation a continué et jodi a Haïti ta recevoir quelques déportés yon l'autre fois encore. Et l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est question de grève. Jodi a c'est deuxième journée. Nous allons rejoindre encore yon l'autre fois encore. Et correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint qui mise à jour qu'au Cabanou alors que il fait 4h27min 37 secondes. Dis-nous qui j'en grève là. Bon, on a dit que très rapidement, Jacques Mbélizer, c'est que deuxième journée de grève, vous songez que le secteur très fort commun a été lancé pour dire non à la sécurité, non à kidnapping, et puis vous demandez aux autorités en place sur première mesure appropriée pour résoudre raté cabure qui gagne sur la machine nationale là, et de grève ça lui prend, nous qu'a dit à 80-90%, parce que secteur très fort commun est paralysé à 50-60-70%. Et banque commerciale, lieu de faire n'importe quoi, grand commerce, pas fonctionner. Et en plus de ça, établissement scolaire, tu ne fais n'importe quoi, tout élève l'école, tout élève l'école, tu étais la caillou. Donc, c'est pour dire non, j'en suis là, avec sécurité, kidnapping. Donc, c'est pour la situation présentée. Quand on a parlé avec vous là, nous sommes à l'aéroport de Brest, et bien, activité, toute activité paralysée, presque totalement dans la capitale haïtienne, pour dire non à la sécurité, à kidnapping, et puis pour demander aux autorités de prendre des décisions pour permettre à ce que, eh bien, moins de gaz pour fonctionner, puisqu'on connaît, gazoline, c'est un produit transversal, ça a une répercussion négative sur la vie de la population haïtienne, Jacques Mbélizer. Merci, Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui tape banon, ils ont mis à jour. Sous deuxième journée grève là dans Port-au-Prince, yon grève qui compte insécurité et fond dit que te gon confusion dans médias internationaux qui croient que grève là c'était pour missionnaires yo. Non, mot d'ordre grève là te bay avant même que kidnapping n'a été fait, parce que kidnapping n'a fait samedi qui se passe là, mais grève là c'est contre insécurité et surtout problème et gasoline qui nan pays tankou nan di son produit transversal et qui affecté en pile activité nan vie nationale. Donc nous pratiquement arrivé nan fin programme nan, nous di Lopez yon gros merci pour participation ben thank you so much gracias et puis tout l'autre ami qui t'a aidé nous mettre programme nan et pas oublier Lionel Demarat c'est chef créole pas bon ici spécialiste dans langue créole là et puis Jean-Aubert Philippe et tout l'autre yo. Moi c'est Jacques Mbélizer. Bonsoir et à demain. Moi vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Moi pour aller m'app qui ton nombre papa manger parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou bah la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. Non pas monsieur Foucault. N'app croiser dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M'ramasser paquet moi. Cause habitant pas miser la ville. M'praler. Mais m'app qui ton nombre papa manger parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou bah la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.